dans votre univers. Y a-t-il un mot compliqué ? Le mot que l'on me demande toujours, c'est quoi le Big Bang ? Et c'est quoi le Big Bang ? À l'origine, le Big Bang, c'est une blague. C'est une blague entre deux scientifiques, Fred Hoyle d'un côté, adversaire de la théorie de Georges Lemaître, et qui, pour critiquer la théorie de Georges Lemaître de l'expansion de l'univers, l'a caricaturée en disant « elle commence avec un grand pan, le Big Bang », pour essayer de la dénigrer. Et malheureusement, c'est resté. En quelques mots, donnez-moi une explication. Comment est-ce que le scientifique l'appellerait ? Singularité. Primordiale. En fait, le souci, c'est que le Big Bang, la blague de Fred Hoyle, désigne un problème dans le modèle de Lemaître, qui est l'origine du temps et l'origine de l'espace, qui est un point qu'on appelle singulier, parce que c'est un défaut de la théorie, où les quantités ne sont plus définies. La densité, la température deviennent infinies, l'on ne sait plus mesurer les distances dans l'univers, c'est un problème de la théorie. On appellerait ça, nous, une singularité, un point singulier où la théorie et le modèle s'arrêtent. C'est compliqué pour le commun des mortels. Pouvez-vous être davantage concret ? Je pense que si on entend, si le Big Bang, le mot Big Bang est rentré dans la culture populaire, c'est parce qu'en fait, c'est une théorie scientifique de l'origine du monde. Mmh. Et ça, c'est aussi une évolution profonde de la science. Avant l'origine du monde, c'était la philosophie ou les aspects religieux, etc. En tout cas, dans certaines religions. Et donc, forcément, ça parle aux gens, et c'est très interrogatif maintenant. Ce que la science en dit aussi, c'est que la science ne parle pas de la création du monde, mais du commencement ou du début. Et le Big Bang est justement la limitation, puisque le Big Bang désigne le tout début du modèle d'univers, là où justement le modèle actuel est faillible et échoue. Et maintenant, à qui le tour ?